Hop. Bonjour Hélène. Bonjour Alexis. Mais écoute, je te remercie de jouer le jeu, en tout cas de cette petite, cet échange enregistré qui permettra de le partager à d'autres. L'idée, c'est en quelques mots, en fait, c'est de parler l'entrepreneuriat territorial, puisque c'est l'objectif de Primaterra, mais par les gens, par ceux qui font, tout simplement. Et donc, ça me semblait bien, en fait, tout simplement, d'avoir un coup de projecteur sur. Sur ce que tu fais, la façon dont on s'est rencontrés, effectivement, et voilà, et aujourd'hui, ce que tu portes comme projet, parce qu'ils sont nombreux, et portent sur la question des territoires. Peut-être dans un premier temps, je te propose éventuellement de te présenter qui tu es, quel âge as-tu, d'où tu viens, où tu habites, enfin, voilà, comme tu le souhaites. Super. Merci beaucoup déjà de me proposer de faire cet exercice. Je pense que comme chaque exercice un peu de partage, ça va m'apporter quelque chose. Donc j'en suis très heureuse. Alors je m'appelle Hélène, j'ai 34 ans, j'habite à Durçay dans l'Orne. Pardon. Et voilà. J'habite à Durçay dans l'Orne et donc où j'habite depuis août dernier. Et avant ça, donc d'où je viens, avant ça, j'habitais sur Paris pendant quelques mois où j'étais en transition parce que de 2010 à 2018, j'ai habité à l'étranger, en Asie et en Australie. D'accord, avec un parcours pour le coup interdisciplinaire dans plein de sujets différents, t'es pas arrivé au territoire comme ça, du jour au lendemain. La rencontre avec l'équipe a accéléré les choses. J'avais l'intention personnellement de quitter Paris pour D'accord. faire autre chose et pour contribuer à la base l'industrie textile et sur la partie économie circulaire. C'était mon intention initiale. Et lorsque je me suis posé la question de si l'industrie textile était mon industrie de cœur ou de raison, j'ai compris que c'était de raison, donc j'ai décidé de rechercher ce que je voulais réellement faire et ce qui me passionne et ce qui m'anime tous les matins, me donne envie de me lever et donc de donner 100% de mon énergie. Génial. Et tu parles d'une rencontre avec une équipe sur ce territoire normand. Comment ça s'est fait? Finalement, il y avait un événement, une association qui a facilité ça? J'étais suite à mon retour d'Australie et 8 ans d'expatriation, je me suis pas sentie reprendre le même métier. J'étais dans l'industrie textile, j'étais dans la partie distribution et commerciale et représentation de marque. Je ne partageais plus du tout les mêmes valeurs et je me suis sentie l'envie de chercher autre chose et je me suis baladée dans le maillage associatif et militant de Paris et je me suis rapprochée de sujets comme l'énergie renouvelable, comme l'alimentation durable. Toutes les choses qui aujourd'hui bousculent un peu notre quotidien parce qu'on se retrouve avec des problématiques qu'on n'avait pas, qu'on ne rencontrait pas avant. Circuits courts, créer des événements, création de liens culturels. Et je me suis baladée et le zéro déchet est apparu aussi sur le plateau de sujets que j'avais envie de creuser. Et comment faire et comment est-ce que je peux changer les choses à mon niveau. Et j'ai été à un atelier de Zero Waste où j'étais dans le même groupe d'activités, suite à une conférence que Igor, et il m'a parlé de son projet, et suite à quoi il m'a invité à venir au co-living, qui est un tiers-lieu qu'ils ont créé avec quelques autres personnes dans l'Orne. D'accord. Et est-ce que tu peux en dire plus? Parce que co-living, enfin, des choses comme ça, c'est peut-être pas forcément parlant pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'association El Capitan, un autre nom non français, c'est une section en fait d'escalade et c'est aussi une roche qui est dans Yosemite Park, qui est sur la partie ouest des États-Unis.
où les grands sportifs de l'escalade se donnent le défi donc, de grimper. Donc, c'est un site très connu et c'est une passion partagée de la part de l'équipe qui a créé ce nom-là. Et donc, ce tiers-lieu a été créé de manière officielle en 2019, début 2019. Et c'est un endroit, c'est une maison physique de 400 mètres carrés où les gens viennent pour séjourner, pour découvrir le territoire hein, de l'Orne, les coins. Il y a beaucoup, beaucoup de chemins, de randonnées pour faire du vélo. Il y a une vallée pour faire pas mal de sports, de canoë et kayak, etc. Mais aussi, c'est un lieu qui a été créé pour créer un sas de communication entre les gens qui ne connaissent pas le territoire et les projets du coin. D'accord. Pour ramener des personnes, des envies, des compétences sur le territoire où, dans l'Orne, on a une densité démographique décroissante, où il y a un vieillissement de la population, où il n'y a pas de retour à la maison pour beaucoup de gens qui sont originaires d'ici. En tout cas, pas pour tout le monde, mais pour une grosse partie, ils ne reviennent pas. Et où des agriculteurs qui partent, je crois que le chiffre, c'est, si je ne dis pas de bêtises, 60%, n'ont pas repreneur derrière. Et donc, pas mal de problématiques, dont la désertification médicale qui touche beaucoup, beaucoup de territoires, beaucoup de communes en France. Donc, c'était ça le but premier de la création de ce lieu, mais avant tout aujourd'hui on le vit comme un lieu de connexion avec d'autres personnes, des porteurs de projets, des personnes qui viennent parce qu'ils ont envie de partager des moments avec des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne croiseraient pas dans leur quotidien chez eux. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut penser en fait votre dynamique comme une sorte d'office de tourisme un peu repensé qui en viendrait à attirer des personnes qui peut-être au départ seraient jamais venues sur ce territoire et surtout encore moins s'y installer? Un peu provoque. On appelle ça, c'est un pont de l'attractivité du territoire, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on arrive et on s'installe, c'est marrant que tu utilises ce terme, parce que le tourisme est une façon aussi d'explorer un territoire et on va habiter quelque part parce qu'on tombe amoureux d'un territoire et parce qu'on navigue, parce qu'on traverse, parce qu'on le vit et parce qu'on rencontre les gens. Et je pense que ça fait partie de ça, ouais. Les territoires qui n'existent pas dans la carte mentale d'une personne, c'est parce que il n'y a pas eu de travail d'attractivité ou de touristique qui a été fait, qui a été assez bien fait par le territoire et probablement par manque de temps, par manque d'envie ou là, c'est pas que le territoire n'a pas fait ce travail ni que les collectivités n'ont pas fait ce travail et je veux pas que ça soit ça qui ressorte de mon propos, mais mon propos c'est que le territoire est magnifique, qu'il est proche de Paris et que les gens qui viennent ou en tout cas les gens qui viennent en Normandie parce qu'on a des présupposés sur la Normandie, donc on a la pluie, on a les vaches, on a la crème et le fromage et les pommes. Et c'est vrai que ça suffit pour se dire que c'est la Normandie, mais au final c'est plein d'autres choses et à moins qu'on y mette les pieds et on le sait pas, et cette maison permet notamment ça. Et les gens qui viennent par là rencontre des gens qui habitent sur place, rencontre les voisins qui sont sur place, donc il y a des liens sociaux créés. Et donc, l'office du tourisme, le travail hein, d'aider les gens à venir naviguer sur le territoire et probablement s'installer, est un bon angle d'attaque hein, pour attirer du monde, que ce soit pour du temporaire ou pour du permanent. D'accord. Donc, tu parlais de SAS, on pourrait imaginer ce côté un peu port d'amarrage. Il faut faire escale et puis finalement de passer d'une escale pour un week-end, finalement on s'y arrête pour un peu plus. Est-ce que c'est ça, territoire en commun? En fait, c'est cette tête de pont, ce point d'amarrage et à partir de là, finalement, on découvre plein d'autres ressources, initiatives que toi et ton équipe vous portez? Oui, je pense qu'on appelle souvent ce site du co-living un terrain d'atterrissage pour se connecter à nos projets de territoire en commun. C'est un peu ça, c'est un port d'amarrage, c'est une autre façon de l'exprimer. Et je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on facilite l'arrivée des gens de par le fait qu'on va les chercher à la gare,
on leur offre un logement accessible au niveau financier où rien n'a apporté à part leur sac à dos. Et la nourriture est aussi sur place pour ôter cette tâche quotidienne d'aller se trouver à manger. Et donc, on donne pleinement un environnement, un espace pour que les gens puissent faire autre chose, c'est-à-dire aller visiter, d'accord. Balader. Et plus de temps pour ça. Ouais. Et ce que je perçois aussi dans ton propos, c'est que finalement, toi-même, tu t'es retrouvé dans cette logique de facilitation. On t'a accueilli, on t'a montré plein de belles adresses, on t'a montré tout ce côté fabuleux du pays du bocage. Et finalement, toi-même aujourd'hui, tu te retrouves à être ambassadrice, facilitatrice de connexion pour les nouveaux, ceux qui arrivent après toi en quelque sorte. C'est ça en fait. Oui, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions et se retrouvent, en tout cas personnellement avec mon profil d'urbaine, je ne m'y retrouvais probablement plus et j'avais besoin de calme. Et de se sortir de la ville, ça veut dire se retrouver soit en zone périurbaine, ce qui ne me correspondait pas, soit me retrouver à la campagne. Donc c'est soit ça, soit à la campagne. Souvent les gens mettent en opposition la ville et la campagne, mais en même temps, on n'a rien d'autre. En France, c'est soit la ville, soit la campagne, et après on a des villes-campagnes. Donc de sortir de la ville et de se retrouver dans un cadre où on se lève, où on n'a pas les voitures ni les motards qui klaxonnent, mais effectivement les oiseaux comme là il y a derrière moi, c'est dans un cadre rural. Et quand je suis arrivée ici, effectivement on m'a offert ces différents canaux de découverte, que ça soit pour aller découvrir, redécouvrir, re-rencontrer la nature et aussi rencontrer des projets qui, moi, me donnaient envie de m'ancrer ici et de participer et de contribuer. Je pense que c'est ce qu'il y avait de plus riche que d'avoir ces personnes-là, ces liens, ces liants, ces facilitatrices, facilitateurs, pour montrer qu'il y a effectivement quelque chose d'autre qu'on peut vivre sur le territoire français. Et effectivement, ça m'a donné envie de donner, d'offrir la même chose à un moment où beaucoup de gens se posent beaucoup de questions et pour faire leur propre changement, que ce soit professionnel ou intérieur, donc personnel, hein, sur où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent habiter et de quoi ils ont besoin. C'est un environnement peut-être pour certains, comme celui qu'on m'a offert et je pense que c'est important pour moi de participer à l'offrir à d'autres.